C'est bienvenue sur le live de Harold, de Mini Moulot et comme invité Julien King qui est juste ici. Donc nous sommes Salut. déjà avec plein de gens qui viennent d'arriver comme ça. Ils sont tout pleins et ils sont au taquet pour regarder les lives et ça fait super plaisir de voir plein de gens qui arrivent. Donc je veux dire bonjour à toutes les Bonjour à personnes. qui? Bonjour à Harold. Oh là là, c'est moi. Bonjour à moi-même. Bonjour. Ah, comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Bah là, je suis en train de faire un live. Ah, tu fais un J'ai un live toi aussi? problème. Ah, bah ouais, quoi? J'ai un problème, j'ai live, moi il y a écrit live déconnecté. Mais Comme attends deux secondes, chose. tu attends deux secondes. T'attends un Je sais peu. pas si ça Tu change recharges quelque la page et chose. tout ce que tu veux. Donc bonjour à moi-même, hein, comment tu vas? Bien, ok, cool. Bon, tu l'as déjà dit, mais c'est pas grave. Ouais, bah c'est parce que parfois j'ai un peu, voilà. Bon, bref, tu peux te taire et dire bonjour aux autres personnes qui viennent d'arriver. Ah oui, bonjour à DD243, bonjour à Dono37, bonjour à JulienKing21, bonjour à Mini Moulou, bonjour à C'est moi, Taïsou. Julien King 21. Bah ouais, bah bon, J'ai un problème. je sais. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va dépouiller. Donc là, il y a deux personnes qui viennent de s'en aller. Bah bon, c'est parce qu'ils viennent réinitialiser. Et donc, ils vont revenir. Donc, Comment bonjour. tu Bonjour pourras aux faire gens. le partage d'écran pour 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 voir qui a pour gagné. les premiums. Ouais. Allez. Oh, c'est quoi ce délire? Re à vous tous, c'est tout. Désolé pour le bug qu'il y a eu tout à l'heure. J'ai essayé de vouloir faire un petit truc, comment dire, jouer un petit peu à Scribble Note. Mais bon, finalement, là il est déjà 21h. Et donc ça va être l'heure des dépouillements. Les dépouillements? Ah, mais quel dépouillement tu parles? Eh bien, je parle des Qui dépouillements, vote? des votes de quel jeu nous allons jouer. Alors, attention, il y a. Voici C'est le Rayman. résultat des votes. Rayman qui est en première position avec 57%. C'est Rayman numéro 3. Ceci est la liste que. Ce ne sont que des jeux que j'ai joués dans mon enfance et vous avez dû choisir parmi ces jeux. Rayman 3 a été voté à 57%. Spyro 2 a été voté à 14%. Ratchet & Clank, pareil. Crash Bandicoot, pareil. Tous qu'à 14%. Mais Pyjama Sam, 0%. Personne n'a voté pour ce jeu. Mais bon, ça c'était un peu plus pour le fun. Parce que les point and click comme ça, et puis en plus il est marqué infogramme dessus. Voilà. Un jour j'essaierai d'y jouer, mais ce sera si un jour vous votez pour ce jeu. Enfin bref, pour l'instant c'est. J'avoue que j'ai voté Ratchet & Clank, hein, je l'avoue. Ouais, bah. C'est aussi un des jeux qui m'aurait intéressé, mais. Mais on choisit ce que les gens votent. Donc là, ce que je vais faire, c'est. D'accord. Ce que je vais Là, c'est faire. bon. Là, j'ai ton live. D'accord, tu peux regarder les gens qui parlent parce que là je peux pas les voir le temps que je vais chercher le jeu. Ah mais je ne l'ai pas téléchargé tout de suite, désolé, j'avais tellement de choses en même temps. Et je ne sais pas si le jeu sera téléchargé aussi vite. Pour l'instant, il y a Téléfou qui est en re. Pas Téléfou, quand même. Pas ok. Il me Donc, semblerait. Téléfou, il dit que c'est la première partie Comme elle a des. quitté Karlsruhe pour s'installer dans le nord, à Nienburg, près de Hanovre, Ouais, ça c'est une il y a petite maintenant vidéo. 1000. Voilà. Ok. Alors, Raymanologue, tatata. Et le temps de chargement est super long. Donc, de ces temps, pour l'instant, on pourrait peut-être faire quelque chose d'autre. Donc. Je sais pas, tu peux regarder une vidéo, tu peux pendant l'instant tu peux faire les lives que tu faisais quand ou tu regardais les vidéos. Mais je vais pas regarder des vidéos, c'est. Enfin, non. Ah Non, bon, non, moi non. je vais voir si tu veux. Tu as pas un jeu qui pourrait être cool dans mes jeux? C'est quoi comme jeu? Pas grave, c'est pas la première fois que Home Session fait des bugs. D'ici, désolé si ça bug. Alors, ça bug pas chez moi. Là, je vais regarder dans le. Je vais regarder le live comment il va. My name is Jason Edwards and I'm a Oh. photographer with the Bonjour, National monsieur. Geographic Society. I'm also the mentor for. Voilà. Et du Salut. coup, salut C'est pas la Dédé première fois qu'on. 243. Ok, on entend parfaitement. Alors, on va faire quelques quiz sur Home Station, hein. Quelques quiz. Et juste après, je vais vous présenter un mode Minecraft. Vous allez dire, mais. Attends, il se fout de ma gueule là. Mais en fait, c'est Oh juste. non, pas souvent. On a. Bon, il est cool le mode Minecraft que j'ai trouvé. Ouais, mais c'est pas Ouais, intéressant. mais si, c'est C'est super. rapide, ça a présenté. C'est super rapide, c'est juste pour le temps que Rayman 3 se décharge. Et si se décharge pas aujourd'hui, bah. Je sais pas moi. Vous dites aux gens qui téléchargent dans les chats The Je peux Secret te of dire Mana, trop cool. Bah je peux ouais. dire le mode que c'est le
à peu près à quoi ça ressemble? Le mode est un mode qui consiste à avoir internet dans Minecraft. Vous allez dire, encore des vidéos sur Minecraft, là 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 là. Est-ce que tu as Secret of Mana? Moi je l'ai pas, hein. Si tu peux me parler à moi, t'es fou. Arrowild? Oui. Tu as Secret of Mana? Ouais. J'ai Secret of Mana. S'il faut, je peux retourner avec Spyro ou regarder quelques jeux ou Secret of Mana. Mais là, pour l'instant, je vais faire un quiz pour montrer à quel point je suis très très fort. Ouais, allez, on va tester. Quel animal peut-on chevaucher dans Crash Bandicoot 2? On peut chevaucher un sanglier. Ah c'est, ok, je pensais que c'était un sanglier. Dans Banjo Kazooie, combien il existe de pièces de puzzle? 120. Ah. Quel jeu est tiré du fameux Gimmish Ayuba The Beyond of the US, Zero Wing? Yeah! À quel jeu appartient ces images? Beach Playboy. Non! Super le live juste pour ça, tu vois. Dans One Walker, que doit sauver Michael Jackson? Le monde, la musique, lui-même, des enfants. La musique. J'aime bien la proposition des enfants. C'est des enfants. À quel jeu appartient cette image? Dynasty World, Rival Tough, Tommy Croner, celui-là. Non. Non, c'est pas Tony. Qu'est-ce que c'est, à chier? Ah oui, c'est vraiment fort. Attends, vas-y. J'aime pas Minecraft. Je suis le seul qui a un écran noir. Quel animal peut-on sauver sur Crash Bandicoot? Un dinosaure? What? Non. Dans chez nous, quelle console le jeu Rio possède-t-il? Je crois qu'il possède pas une Dreamcast? Non. Ouais, c'est dans 120, c'est dans Super Mario 64, mais bon. Oh, ça me donne envie de jouer à Mario 64, mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous voyez tous les jeux qui sont ici, vous proposez un jeu qui est parmi ces jeux et on y joue pendant quelques temps. Le temps non, que... Quel est le boss du premier donjon dans The Legend of Zelda? Une araignée, un squelette, un dragon ou un serpent? Je crois que c'est une araignée. Je sais plus. J'ai jamais aimé Zelda, donc... Oh, mais je vais te faire taper dessus sur Rome Station. Ouais, je sais. Ouais, c'était un dragon. À quel jeu appartient cette image? Je crois qu'il appartient à Magic Knight. Ouais. Donc, il y a 8 spectateurs au total qui le regardent. J'ai fait 20 points. Donc, vous allez choisir parmi les jeux qui sont ici. Et je choisirai... Attention. J'aimerais bien voir ceux qui vont m'insulter sur le truc. J'espère qu'ils vont pas m'insulter, mais c'est pas grave. Ah mais il m'envoie les réponses, mais je peux pas. Là je peux pas les voir. Merci Taïfou, mais je peux pas te les voir les réponses sans que sur les quiz. Il y a des chances que ce live ne soit pas rediffusé sur YouTube, ce live là. Seulement parce que c'est pas une suite spéciale ou c'est pas une spéciale Halloween comme spéciale Halloween que j'ai pas encore rediffusé. Mais je pense le faire juste après Spyro. Donc, je sais pas trop ce que vous voulez. Salut Dono 37. Je crois qu'il est nouveau. S'il y a un des jeux qui vous intéresse, ou alors un jeu CD-ROM pour enfants, hein. Comme vous voulez. Au pire, tu peux essayer un jeu qui pourrait être rigolo. Pyjama Sam, ben là, ça se prend quelques secondes de téléchargement. Et comme ça, quand j'aurai téléchargé Pyjama Sam, après je télécharge ça. Et comme ça, ben, en même temps, on peut jouer. C'est une idée. Et on joue à Pyjama Sam même si c'est bon. L'idée écrit très bien, mais c'est pas grave. J'ai fait des fautes d'orthographe, mais c'est pas grave. Je sais pas ce qui serait intéressant. N'importe lequel, vous faites un choix. Prends Crash. 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 Mais j'ai pas Crash ici. Ah oui, mais c'est vrai, putain. C'est vrai que le temps il va durer 5 heures. J'attends le choix des personnes. Kirby, et c'est Kirby. Ok, d'accord, Kirby. Ok, mais lequel de Kirby? Bah, j'en ai qu'un seul ici. Ah, d'accord. Bon, ils peuvent proposer d'autres Kirby, mais bon. C'est parti. Attends, je vais essayer Super Mario. Non, c'est pas super pratique. Bon, bah on met le jeu.
Kirby. Kirby et une petite boule. Kirby est ami avec une petite boule. Je vais baisser le son du jeu. Waouh, nous sommes en live et on va jouer à Kirby. Pour patienter du chargement de Rayman. Et si jamais Rayman ne se télécharge pas aujourd'hui, eh bien, ce sera pour le prochain jour. Il y a une petite cinématique avec Roi Dadidou. Qu'est-ce que tu dis si je réponds plus, c'est que j'ai c'est mon nouveau pad. Ok. Ah, c'est quoi ça? Ah d'accord, c'est la cinématique. Ouais. D'accord. Non, j'étais juste allé aux toilettes. Hein, n'inquiétez pas. Non, s'inquiète pas, ça va. Ouais. Bon, c'est un peu normal si ça bug sur Skype, mais là ça va. Là, ça bug pas sur Rampation. Si je réponds plus, j'essaye mon nouveau pad. D'accord. Alors, hop, donc joypad, hop, hop. Je sais pas s'il il voulait dire lift iPad down, ou pad dans un jeu. C'est super qu'ils mettent une image parce que en fait je connais pas par cœur les boutons. Ouais, mais ils te demandent tout le temps ça. Ils finissent le jeu. Ouais, elle joue, bravo. On applaudit, elle joue. Ah non, c'est Mini Moulou, pardon. On applaudit Mini Moulou. On applaudit Mini Moulou. Voilà. Hop. Et donc on va jouer comme ça. D'accord. J'ai une question. Est-ce que tu vas te l'acheter le premium? Non. Enfin peut-être pas. Je sais pas. C'est juste que je trouve pas ça super intéressant pour l'instant. Oh, c'est tellement beau. On dirait un jeu fait à la pastel. C'est un jeu fait à la pastel. La planète Popstar. Pourquoi vous parlez pas? Non mais parce que moi je regarde ton live depuis le Home Session. Donc je suis Kirby et voici ma petite boule de je sais pas quoi. Voilà, petite, tu sais le gars. Oh, tu sais, quand je m'ennuie sur les lives, je prends un smiley et je dis que ce smiley c'est comme si c'était une personne. Par exemple, je prends le diable et je dis que je prends le diable. Et je parle avec. Et je fais des discussions avec des smileys tout seul. C'est le okay. Ouais, mais au moins ça s'ennuie pas. Mini, t'as fini quoi comme jeu? Mini Moulou, t'as fini quoi comme jeu? Beaucoup. Beaucoup, je pourrais pas tous les citer. Non mais tu as dit j'ai fini ce jeu dans le chat. Bah, le Kirby. Bon alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc nous voilà devant ce jeu. C'est bizarre, on dirait que, tu vois la porte qui est là, on dirait pas qu'elle devrait être là en fait. On va aller voir. Oh! Je vais aller avaler ce bonhomme. Ouais. Oh, on peut aller sur son dos. C'est un peu un espèce de Yoshi. Ouais. Bon, moi je vois Minecraft. Hein. Ok. Alors, je demandais donc, Mini Moulou, tu es là ou pas? Oui, il est là, je crois.
Parce que, en fait, tu parles pas. Bah, je sais pas. Enfin, je veux dire, on est en live. Donc, nous sommes devant ce jeu. Et... Voici Arwen qui est sur Kirby. Tais-toi. Alors, voici Arwen sur Kirby et il va mourir. Et c'est le jeu le plus facile du monde. Oh. Ouais, mais faut. Pour parler, il faut lancer un débat. Bien personnellement, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Ben en fait, c'est un petit peu comme la Wii en fait, voilà, c'est très intéressant. Donc, je vais parler musique aujourd'hui. Nous allons parler musique. Pourquoi pas? Pourquoi? Ouais, mais bon, ça dépend de quoi tu parles. Si tu me parles de la Goldman, je te tue bien. Julien, pour toi, quel est ton style musical? Ton style musical que tu aimes? J'en ai plusieurs, j'en ai plein. Ok, bah. Je sais pas, dis-moi côté. Je sais pas, dis-moi. Ta musique de jeu vidéo qu'est-ce préférée que ma musique de jeu vidéo préférée. Jamais trop aimé les jeux vidéo. Je pense que c'est. Jamais joué à ce jeu, mais j'aime bien la musique. Non. Tu réponds? Bah, c'est un jeu de même. C'est quoi ta musique préférée? Bah, en général, j'aime bien Tenacious D. J'aime bien tout ce qui est power metal en fait. Bon là, c'est un live tranquille, donc si on ne parle pas à fond ou quoi que ce soit, comme le Spyro la fois dernière, c'est juste pour patienter. Et moi, je suis rejeté. C'est comme les. Bah, c'est les. Moi, j'ai pas un style. Y a pas de style que j'aime bien. C'est normal, quand tu vas grandir, ça va venir. Vous voulez écouter de la musique? Non. Bah non, en fait. Des musiques de jeu. Ah, moi, je suis rejeté. C'est quoi mon style préféré? C'est quoi ton style de musique préféré? Oh là là, maintenant que je le dis, tout le monde me pose la question, on fait tous à la fois. Ah ouais, ma musique préférée en ce moment, c'est le bord de ciel de Skyrim. Ah. C'est la musique de l'écran titre. C'est la musique épique, tu sais. Ouais. La musique, la main title. Je vois ce que tu veux dire. Ah ouais. Tu sais que si tu la mets à l'envers, ça fait une autre musique. Ouais, c'est normal. Quand tu mets une musique, ça fait une autre musique. Tu vois, dans Green of Time, ils ont fait une musique. Je sais pas si tu connais le perso de Zelda. Et si tu mets la musique à l'envers, le truc title, bah ça fait la musique de la perso de Zelda. Alors, on m'écrit ça va, Arwild. Ouais, ça va bien, et toi? Alors, j'aime bien les musiques de jeux vidéo. Bon, ça, c'est faut pas s'étonner. Le groupe que je voudrais présenter aux gens, ce serait peut-être Cowboys Fringants. Que j'aime vraiment beaucoup. C'est le groupe qui m'a le plus fait quelque chose, tu vois. C'est le groupe qui m'a fait plus quelque chose. Tu as oublié ton texte. Bah, quel texte? Ouais. C'est le groupe qui m'a le plus fait quelque chose. De quoi? Ah, attends, répète parce que j'étais. Les Cowboys Fringants. C'est le groupe qui m'a fait le plus quelque chose. Et t'as fait quoi? Il m'a fait genre. J'ai eu une larme, tu vois. Mais moi, j'ai plein de musique. J'ai fait une playlist sur Deezer de musique, mais il y en a trop. Moi, j'en ai 91 de musique. What? Moi, je connais même pas 91 de musique que j'aime bien. Enfin, 91. Mais bon, maintenant, il y en a qui sont plus à la mode. Hein. Il y en a que j'aime plus. Hein. Ils s'en foutent que ce soit plus à la mode. Moi, j'aime toujours les musiques, mais c'est pas. C'est pas parce que c'est plus à la mode que. Je mets le lien de ma playlist, hein, pour ceux qui s'intéressent. Ok, c'est une sorcière qui passe.
Bah les couilles. Regardez Kirby, il est rose. Ah bon? Je sais pas. Voilà. Ah oui, pas moi. Ouais, il peut pas, parce qu'il est trop bête pour faire des couleurs. Oh, j'ai fait tomber la sorcière et elle a disparu. C'est trop rigolo, ah, on peut jouer avec les décors. Mais tu comprends le rôle ou tu le vois mal, le rôle? Non, c'est vois. Juste qu'il est pas daltonien, mais il fait croire qu'il est daltonien. Non. Si. Ah ouais. Oh, il est daltonien. Ouais. Alors qu'est-ce que... Mais la petite boule qui me suit, je sais de quel jeu elle vient. Il dirait une poudre de canon. Eh ben elle vient de Kirby. C'est le jeu... Non, c'est le jeu dans... Où il rentre dans un tuyau, je sais pas, Go, je sais, Go Boom, je sais pas quoi. Re-Atelso qui vient d'arriver. Mais en fait, les cowboys fringants, je vous propose ces musiques-ci. Donc si t'as envie de mettre les liens sur les liens et c'est faire écouter rock, la musique. Rock, bah, pff, moi j'arrive pas à définir c'est quoi le rock, tu vois. C'est, bah, ça, c'est quoi du rock. 3 milliards de rock, hein. Bah voilà, c'est 3 ça. Milliards de rock, tiens. Bah ouais, tiens. Mais c'est un truc. Il faut que tu regardes la famille des rock, hein, du rock. Hein. Bah, je sais pas si je peux vraiment définir ça comme ça. C'est. C'est un peu plus acoustique, on va dire. C'est un peu plus acoustique. Parce que tu peux autant trouver du rock de Elvis Presley, autant du métal. Y a pas de... Ouais, mais du rock, ça reste du rock, quoi. Non. Parce qu'en fait, y a trop de trucs, tu vois. Bah ouais, mais le rock du power metal, c'est du rock. Bah non, c'est pas du rock, tu vois, c'est du métal. Ouais, j'ai l'impression que c'est Mini Moulou qui joue la petite boule. Là, il fait n'importe quoi. J'ai joué avec lui. Oh, c'est quoi cette forme? Mini Moulou, tiens, regarde. Je sais pas si tu vas le voir, mais tu as l'arbre généalogique du rock. Je sais. Ouais, mais toi, tu parles du rock. Pour moi, du rock maintenant, la seule représentation du rock que je vois, c'est Johnny Hallyday. Alors, tu vois, à peu près. Ouais, de toute façon, tu as tout le temps. Chaque musique a un style de rock. Hein. Ne mélange pas le rock et le métal. C'est pas moi qui mélange ça, c'est Julien Puri. Ne vous fâchez pas. Attendez, tu peux cliquer sur le lien que j'ai envoyé, Ruby. Ah ouais, la musique c'est très vaste, lui il raconte c'est juste du rock. Non, je peux t'assurer que c'est pas du tout ça. C'est Maître Games que t'as envoyé, pourquoi tu m'as envoyé Maître Games? Non, c'est pas vrai, j'ai pas envoyé Maître Games, regarde la ruine. J'ai regardé. Oh non, sérieusement. Il a envoyé Belle. Arrêtez. Là. Moi, j'aime. Vous avez la musique est très vaste. Non, sérieusement, j'aime pas. Ouais, la musique est très vaste, ouais, c'est ok, mais... Mais ça, c'est la faute de Mini Moulou, qui dit toujours du caca. C'est vrai, on me dit souvent que je confonds le rock et le métal. Bah ouais, mais moi, je sais pas. Les personnes qui confondent rock et métal, bah là, c'est le pire des pires, hein, des cas. Ah non, parce que toi aussi, t'as déjà confondu quelque chose que j'aimais pas. Quoi? Moi, j'étais pas... Attends. Bah tout le monde dans sa vie a confondu un truc, hein. Moi, une fois, j'ai confondu de la crème chocolat avec du caca, du coup, c'était pas très bien. T'as le galage. Bref. Mais donc, des cowboys fringants, ce que je peux vous proposer, ce serait les étoiles filantes, déjà. Les étoiles filantes de cowboys fringants. C'est une chanson qui parle, ça me fait penser assez à mon grand-père, hein, je vais vous dire comme ça. Ça me fait penser à mon grand-père, cette chanson. Pourquoi? Simplement parce que... oh, on dirait dans Link the Sun, la petite Yuki dans Link the Sun, là. Mais il l'a avalé, sale con. Y'a Uki et Plectrum. Plectrum, c'est le gros. C'est Uki, c'est Uki. Donc, Julien King, il adore le dubstep, il me l'a dit. Non, je déteste. Enfin, il y a une seule musique que j'aime de dubstep, c'est celle du pistolet dubstep. Dans Saints Row. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, DD243.
parce que le vrai rock est une danse précise et que le métal serait comme danse. Ben, le rock, en fait, c'est même pas une danse précise, vu que c'est... Vu que justement, il y a tout plein de sortes de danses que tu peux aborder par rapport au genre de rock que tu imagines. Parce que le rock, c'est comme si tu disais un jeu vidéo, tu vois. Non, on peut pas définir ça. C'est comme si tu disais, c'est pareil Spyro 1 que Spyro 2. Bah, ça se ressemble quand même. C'est pareil, non. C'est pareil, mais il y a une grosse différence en termes de scénario, de... Ouais, mais non, mais fait... pourquoi tu parles de ça, c'est pas... C'est différent. Non, ouais, c'est le même gameplay, juste à deux niveaux différents. Ouais, si tu veux, ouais. Voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, je peux continuer ce que je disais. Tout ceci me fait penser à mon grand-père. Ouais. Comment dire mon grand-père, en fait, ce qui est... Non, bah non, du tout. Sur le fait que... Bah, ah, mais il y a un sanglier qui me court après. Oh, il y a plus les fous maintenant que sur le live. Je vais inviter les amis. Non, alors Kirby. Le partage d'écran bug un peu, c'est un peu gênant. Ouais, Dédé. Regarde le rock des années 60. Le rock. Des années 60. Ouais, le rock des années 60, là oui. Mais avant, tu disais le rock. Tandis que là, bah, quand tu dis le rock des années 60, ok. Là, dans le rock des années 60, c'est vraiment quelque chose de bien précis. Bon, je m'y connais pas énormément pour dire quoi que ce soit, mais c'est juste que je sais quand même qu'à la base, le rock, c'est pas... Johnny Hallyday, c'est du rock, et Elvis Presley, c'est du rock. Il y a une grosse différence, hein, pourtant. Justement, c'est un peu les c'est un peu ce genre de rock qui se ressemble. Justement. Kirby est en train de prendre des bonus. Il en est où ton téléchargement? Il en est où ton téléchargement? Je vais regarder le téléchargement. 82 sur 128. Allez! Attends, je vais inviter des gens. Oh non! Hello, je t'invite toi-même. Le live risque très prochainement de s'arrêter. Pourquoi? Parce que je suis en semaine et il faut que je le fasse plus tôt pour aller dormir et tout. Ah, ouais, okay. Je sais, c'est assez dommage, mais c'est juste que je suis dans la même chambre que ma sœur. Et donc, une semaine sur deux, je suis dans la même chambre que ma sœur. Vous allez me dire, mais alors pourquoi tu fais pas les lives la semaine d'après? Bah, c'est juste que chez maman, j'ai une connexion internet très très pourrie. Salut, merci Mini Boulot pour son message, ça m'aide beaucoup. C'est rien. Donc aujourd'hui, si vous voyez que c'est différent par rapport à d'habitude, c'est juste que je suis un peu. C'est un peu plus détendu. Reviens vite. De base, je vais pas faire de live donc c'est. De la musique électronique. La musique électronique, ouais. Ouais. Alors, il y en a un qui dit, est-ce que vous regardez Danse avec les Stars? What? Pourquoi tu écris ça? Non, sérieusement, c'est une blague. Non, je regarde pas, hein. Heureusement, mais... Bonjour à Hellspawn 0013, comment vas-tu? Sinon, est-ce que c'est une question troll ou c'est réellement c'est réel ce que tu dis? Est-ce que vous regardez Danse avec les Stars? Bah oui, bah non. Bah, qui regarde Danse avec les Stars maintenant? Salut,
sais pas pourquoi tu me dis salut. Dans quel pays se déroule Ému 2, je sais pas bien. La Lachine Chamala. Ouais. J'arrive pas pour faire un projet de jeu. Il y a une image où il te dit à quelle soit appartient cette image. Tu élèves des moutons et dans les réponses, ça écrit Player Manager 2001 et les heures, les films Film City. Ok, menu. Dans ces menus, lequel de ces. On met l'époque différente, le héros Secret of Evermore traverse-t-il. Je crois qu'il fait 5 époques. Bon, merci. Dédé nous dit, je demande ça parce que il fait différence de danse, même l'Europe. Ciao, Arwen. Live alors. Bientôt. Donc vous pouvez parler et tout. De toute façon on a Skype, hein, donc on peut parler quand on veut. Si on est mort. Quoi? À part si on est mort. Ouais. Ouais mais. Bah Rumi il va comprendre ce que je suis en train de dire là. Non mais compris hein. C'est pas la mort la mort de fatigue. Par exemple, non. Par exemple, je suis pas là demain parce que je suis mort. Je suis peut-être pas là demain parce que la maison va brûler. Bon les amis, je vous laisse. Laissez d'ailleurs, je comprends. Et bon jeu et bonne discussion. On va parler 5 secondes à plus. Bon Arwin, je te laisse. Pourquoi ça? Jérémy le gobelet me dit un truc lui. Comme je l'ai pas marqué dans le. Allez, j'arrête le live. Allez, salut à vous tous. C'était salut, chouette. Hein. Ce live ne sera pas remis en rediffusion. Bon voilà. Allez, à plus. Salut. A plus. Purée.